monsieur ? Oui, bonjour. Ouais, je vais vous amener mon vélo là. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai les vitesses qui ne marchent pas et moi, malheureusement, je ne m'y connais pas du tout. Hein. Ah oui, donc, j'ai appris qu'il y avait la sauce, là, vous répariez des vélos là et ça m'a rageré. Si vous pouvez le regarder, quoi. Ouais, c'est quoi qui marche pas? Freins, vitesse. Ouais, les vitesses, les freins aussi, peut-être à revoir, hein, forcément. Okay, oui. Hein, ouais. D'accord. Bon, voilà. Ça marche, on va regarder ça. Allez, merci beaucoup. Bon, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour vous. Ouais, je me doute, ouais. Non, mais je vais faire un petit tour au marché et je reviens. Ouais, ça marche. Allez, à tout à l'heure. Merci. Alors on a eu cette idée du vélo hôpital parce que l'idée c'était de redonner l'envie aux gens qui ont des vélos de repratiquer le vélo. L'idée de toute façon sur la base c'était de leur apprendre les gestes, les gestes pour réparer, pour être autonome avec leur vélo, que ce soit pour réparer des crevaisons, régler des vitesses, des freins et de les inciter à la pratique du vélo. Donc c'est une action bénévole pour que vraiment tout le monde s'y remette, ou s'y mette parfois, on a réussi à convaincre, et à repratiquer la ville à vélo. Plus on sera de personnes à se déplacer à vélo, et plus les collectivités seront incitées à faire ce qu'il faut pour accueillir les vélos. C'est une façon de se déplacer, une mobilité douce, c'est-à-dire que là on est sur vraiment la mobilité décarbonée, sur des conceptions d'espace public qui sont beaucoup plus à taille humaine et pour faire reculer un petit peu la place modale de la voiture dans la ville. On pense trop la ville pour les voitures et là l'idée vraiment c'est de redonner de l'autonomie aux personnes sur le déplacement en vélo. Moi j'étais donc il y a une trentaine d'années, j'habite à Toulouse et comme tout le monde j'avais une voiture et je me suis aperçu que c'était quand même pas très pratique. Et un jour, j'ai trouvé un vélo dans une benne. Donc il y avait un vélo, enfin, des pièces. Il y avait un cadre, un guidon, j'ai récupéré les pièces à droite à gauche. J'ai remonté un vélo et j'ai commencé à rouler dans Toulouse. Et là, je me suis aperçu que c'était vraiment la solution pour se déplacer. Donc voilà, je me suis fait l'entretien et puis j'en ai parlé des amis en disant que c'était vraiment très pratique. Du coup, ils ont su me demander quand il y avait du travail à faire sur des vélos, si je pouvais les aider. Et je l'ai fait, j'ai commencé à réparer des vélos pour des amis. Toujours dans l'idée de les inciter à faire du vélo pour se déplacer. Après, en discutant avec Christophe, on s'est aperçu qu'on a un petit peu la même passion et les mêmes idées, développer le vélo pour se déplacer. Et donc dans le cadre de l'association, on a dit, tiens, on pourrait faire des dépannages comme ça. Le dimanche, on va voir ce que ça donne. On a dit on va le faire une fois ou deux pour voir ce que ça donne. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'il y avait de la demande et que les gens étaient vraiment satisfaits de nous trouver. Parce que surtout qu'à Saint-Sulpice, il y a quand même 9000 habitants, mais il n'y a pas de réparateur vélo. Et donc, on ne fait pas d'ombre à un professionnel. Et en général, on arrive à faire ce qu'on nous demande. En plus, c'est vraiment des gestes simples. Alors, on a désappris à se débrouiller tout seul. Alors qu'il faut réapprendre, il faut réapprendre à pêcher plutôt que de fournir le poisson. C'est ce qu'on fait. Mais ça marche si bien ça. Ça marche. Et puis on en a, il paraît, 112 pour l'instant. C'est pas mal pour une petite ville comme ça. Ah ben ouais. On tient les comptes. Alors Saint-Sulpice Active et Citoyenne est une association, comme son nom l'indique, de citoyens qui s'est créée il y a à peu près 2 ans à l'occasion des élections municipales partielles. Et c'est donc un groupe de citoyens qui avait envie de développer des actions locales en faveur de la transition écologique. Et on a donc développé plusieurs choses, donc le vélo hôpital, qui est un atelier citoyen participatif bénévole, tous les derniers dimanches du mois sur la place centrale de la ville, où les gens viennent déposer leur vélo, on les répare, on leur donne des conseils, l'objectif étant qu'il y ait plus de mobilité douce sur la commune et donc en vélo. C'est sympathique. Parfait, bon ben voilà. Merci. Merci. Ouais, vous pouvez le poser. Voilà.
C'est vrai que votre association elle est géniale. Enfin, je le dis depuis le début, je trouve que c'est, ça rassemble les gens. On se rencontre là tous ensemble le dimanche, c'est toujours dans une bonne ambiance. C'est vrai que toutes les personnes qu'on a pu rencontrer sont sympas, on passe toujours un bon moment, voilà. Et en même temps, vous aviez un peu dit, enfin, je sais pas si c'était vous ou pas, j'avais un fils qui était là, il avait regardé un peu les vélos. Enfin, il y a de la formation, de l'entraide. Voilà. Voilà, le but c'est que les jeunes apprennent à se réparer. Ben, c'est ça, mais ça c'est super chouette quoi. Enfin, et ce genre d'initiative, je trouve que voilà, il en faudrait plus des comme ça, ça permet aux gens de se rencontrer, de partager et c'est super, voilà. Donc tout ça dans une bonne ambiance, donc merci à l'association.